on se retrouve au bord d'un petit plan d'eau en public. Ouais, un petit étang, ouais. Petit étang. Ouais, 18 hectares, c'est un bon étang déjà. Donc on n'est jamais venu ici, c'est la première fois qu'on vient. Donc il y a quand même pas mal de pêcheurs sur le plan d'eau, je sais pas, il y a combien de postes, ouais, il y a peut-être une quinzaine de postes. Il y a 12 postes, je l'ai vu en tout, plus des postes, on va dire, vacants. Enfin, il y a des berges où on peut se poser un peu comme on veut. Il y a 12 postes fixes à l'année, plus des endroits où on peut se poser un peu comme on veut. Ce qu'on a fait, nous, du coup. Ouais, du coup, on a été sur une berge où, en fait, tout, si vous voulez, tout le reste du plan d'eau est accessible en voiture. Et nous, on est sur la seule berge où c'est pas accessible en voiture. Ouais, voilà. Donc, ce qui repousse pas mal de gens à venir s'installer. Du coup, nous, on a vu qu'il y avait personne. On a décidé de se mettre ici. On n'a pas hésité, ouais. Donc voilà, donc le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment aborder une pêche dans un plan d'eau inconnu, comment on va s'y prendre, voilà. Pour essayer de faire rentrer le poisson. Donc on va faire un coup central, donc on a commencé à amorcer, qu'on va laisser poser la nuit. Ouais, là on va laisser poser, bah là on a amorcé quoi, ouais, 10 kilos, mais après on a mis beaucoup de particules, de la graine, du baby corn, des pelés, enfin on vous montrera l'amorçage. Ouais, on vous fera une petite partie sur l'amorçage. Et donc, là, voilà, voilà. Un poisson qu'on vient de faire juste avant. On n'a même pas eu le temps de vous faire l'intro. On était encore en train de s'installer, de se poder. On a mis des cannes avec un stick à droite à gauche, là où on a vu des seaux. Et puis voilà, bah, donc une canne qui est partie. Ouais, poisson. Hein, voilà, franchement, joli poisson. Enfin, de toute façon, vous le verrez, un joli miroir, 13 kilos. Donc voilà. Donc voilà, on espère que ça va mordre et pouvoir vous faire une bonne vidéo sur ce plan d'eau. Ouais, puis là, on est là 4 jours. Donc, ouais, on est là 4 jours. Donc voilà, donc on a le temps de construire on a bien le temps de construire notre pêche, quoi. Donc c'est pour ça on a mis de la quantité au début, mais c'est pour 4 jours, franchement. Pour 4 jours, c'est ce qu'il faut. Faut construire. Ouais, ça serait une vidéo où il y aura un peu plus de paroles pour qu'on puisse mieux vous expliquer comment on appréhende la pêche. Ouais, comment y aborder, quoi. Comment on s'y prend. Comment nous on y aborde. Ouais. Quoi. Enfin, après c'est notre façon de faire. Ça peut peut-être en aider certains. Il y en a peut-être d'autres qui ont d'autres techniques. Voilà. Voilà, mais chacun sa technique. Nous, le but, c'est de partager avec vous nos techniques sur des plans d'eau comme ça. Peut-être que ça peut aider des débutants. Dans puis la pêche. Que là, du coup, pour le coup, nous, on n'est jamais venu ici, quoi. Donc on n'est jamais venu, donc. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Voilà. On va le découvrir avec vous. Donc voilà. Donc voilà, donc on est vendredi soir, là le soleil va se coucher. Ouais, on va se préparer. Ouais. On va commencer à se préparer, à pas se coucher trop tard, se lever bientôt demain pour préparer une bonne journée de pêche. Surtout qu'il y a une partie de la journée où toi tu seras tout seul, du coup. Parce que moi je dois partir une partie de la journée, donc il va falloir bien préparer le coup, histoire que tu galères pas trop dans la journée s'il y a du poisson. Ça va le faire. Juste la berge, quoi, en dessous, pour attraper le poisson qui est un peu casse-gueule. C'est une digue, vous verrez dans les parties de vidéo, de toute façon, vous le verrez. C'est une digue avec des parpaings, des gros piliers de béton. Donc voilà, c'est un peu casse-gueule. Faut faire gaffe où on met les pieds, quoi. Ouais, c'est mieux d'être à deux, mais tout seul, ça se fait. Ouais, ça se fait tranquille. Donc voilà, on va espérer que ça morde bien, qu'on puisse peut-être vous apprendre 2-3 trucs sur notre façon de pêcher. C'est le but, hein. C'est le but, et puis vous preniez autant de plaisir que nous derrière vos écrans. Donc voilà. Allez les gars, on vous reprend. Ben, s'il y a poisson, on espère, hein, on prie pour ça, ouais, on croise les doigts. Allez. Voilà les potes. Donc là, poisson, ça fait quoi? 2h30 qu'on est arrivé? Ouais, 2h30, ouais. 2h qu'on a acheté les cannes, donc là, on est en train de faire un amorçage central. Devant nous, là, peut-être 1 mètre. Et en attendant, on a acheté les cannes avec des sticks un peu droite-gauche où on a vu de l'activité et ça paye. Et du coup, ouais, ça a payé. De toute façon, on va tout vous expliquer comment on procède. Là, c'est juste que du coup, on est un peu pris de court. On est encore dans la préparation, dans l'amorçage, tout ça. Mais bon, voilà, c'est parti. Donc voilà, une canne sur la berge à droite, là-bas, un peu éloignée de la berge, une vingtaine de mètres de la berge. Bon bah voilà les gars, donc joli miroir de 13 kilos et franchement super poisson, pas trop abîmé, un petit peu quand même. Un petit peu, ouais. Ils ont été pris, mais franchement un joli poisson, hein. Bonne récompense, hein. Ouais, ouais. Ce qui nous arrive avec des galères avant d'arriver. Ouais, tout trimballer le matos à pied là sur pas mal de distance. On a galéré, on a oublié le chariot, enfin on a oublié le chariot, normalement on comptait pas pêcher ici. Et ici on n'a pas droit à la voiture à côté, mais bon. Ça, voilà, belle récompense, voilà. Super. Pour les efforts fournis, voilà. Joli miroir.
bien clair, bien orangé. Un joli poisson. Ouais, premier poisson qui annonce quand même, qui annonce beau ici en peu de temps. Juste avec un petit stick quoi. Ouais, juste un stick un comme ça, fouetté à côté d'un seau. Un dumbbell rose et puis voilà. Donc ça voilà. Paye. Voilà, remise à l'eau de ce joli poisson. Franchement, elle a fait un bon combat. Ouais, elle a fait un joli combat. Allez, ça repart. Bon, et ben voilà, donc... sur le matin, là, on vient. On a posé les cannes, on s'est levé à 7h30 avant le lever du jour, on a posé les cannes. Et là, du coup, on a posé sur l'amorçage, là, les trois cannes. Les trois cannes sont sur l'amorçage. Donc celle-là, c'est vraiment la plus proche de l'amorçage. Donc là, ça veut dire que ouais, le poisson est vraiment bien rentré, là, du coup. Le poisson rentre sur l'amorçage. Parce qu'on a vraiment mis de la quantité, là, ce matin, on a remis... On a remis une bonne quantité ce matin. Ouais. Voilà les gars, on se retrouve pour la partie amorçage. Donc là-dedans, on peut retrouver du chien de vie, du mélange à pigeon. Donc on y retrouve plusieurs graines dans le mélange à pigeon. Ouais. Donc cuit au préalable. Avec du baby corn. Et là, je suis en train de couper des bouillettes mulberry. Voilà, les mêmes bouillettes que d'habitude, Zumi Fishing. Donc voilà, qui nous font du poisson un peu cette session. Donc là, on commence un petit peu à en incorporer dans le... dans l'amorçage. Ouais. Et puis voilà, ça fait une belle amorce bien compacte avec de la petite particule. Bon, qui du coup nous fait rentrer de la brème un peu sur le coup, mais bon. Ouais. C'est pas ça arrive dans ça les étangs faire, comme ça où il y en a. Faire de l'activité. Hein. Ouais, ça fait rentrer de l'activité sur le coup et aujourd'hui, ça a l'air de vouloir marcher un peu. Voilà. Donc voilà. Voilà les gars, donc là on est encore en train d'attendre Nathan, c'est 17h et là bah ça démarre, hein. Nouveau miroir, 10 kg, ça arrive sur l'amorçage et on l'a pris coupé sur l'amorçage quoi, bah derrière, un poisson qui fait bien plaisir. Ouais, 18h30, 19h. Nathan est revenu là et voilà, poisson. Voilà. Kilos. Encore sur l'amorçage. Donc là, ça commence à bien rentrer, c'est cool. Ouais, on va espérer que ça continue cette nuit. Donc moi, j'ai pas été là pour voir ce qui se passait aujourd'hui. Mais ouais, joli poisson. On va espérer que ça continue. Donc voilà, bel miroir, 12 kilos. Franchement, on a fait un sacré combat. Donc sur un petit maïs orange, c'est la canne qui déroule le plus pour l'instant. Donc voilà. Allez, on va remettre ça à l'eau. Ouais. Bon ben voilà les gars, donc on se retrouve dimanche fin de matinée. La fin de matinée doit être 11h30 ouais, là. Par là. Donc voilà, donc. On a quand même pas mal de monde qui est venu s'installer sur le plan d'eau entre hier soir et ce matin là. Ouais, les premiers 48 heures ils sont compliqués. Ouais, là. Il y a beaucoup de monde sur le plan d'eau. Beaucoup de monde, énormément de pression de pêche. On voit ça spot dans tous les sens. Donc le poisson se cache un peu. Ouais, on totalise quoi, 3 poissons ouais, pour 3 5 poissons. Touches. Donc on en décroche une, on casse sur une. Et là on fait 3 poissons du coup. Ouais, quelques brèmes par-ci par-là. Ouais, des grosses brèmes. Ouais. Vraiment des grosses brèmes ici. Mais ouais, compliqué, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui sont installés à quoi 20-25 mètres de nous, qui pêchent à pratiquement à la même distance que nous. Donc je pense que ça fait, sur la longueur, c'est beaucoup. Ouais, c'est pour ça qu'on était partis confiants, on était tout seuls sur la digue rive, là, ouais. Mais
Mais du coup, énormément de monde qui s'installe, des pêcheurs à la journée. Ouais, des pêcheurs à la journée, ouais. Donc voilà, on va espérer que ça soit pas pareil lundi, mardi. Ouais, ouais. On soit un peu plus tranquille sur le plan d'eau. Donc ouais, voilà, sinon, sur le début de session, on a amorcé beaucoup à la particule. Donc beaucoup de particules, comme on vous disait, du chêne vie, de la graine de pigeon, avec un petit peu de stick mix, d'amorce en poudre, ces choses-là, pour bien faire pour rentrer le poisson de forage. Bien rentrer le poisson, créer de l'activité. Voilà. Ça a marché au début. Là, du coup, ça se complique un petit peu. Ça nous a mis une bonne pause dans la pêche. Enfin, moi, après, de ce qu'on voit, les pêcheurs à côté de nous et tout, personne prend du poisson. Ouais, ouais. On n'est pas les seuls. Hein. Ouais, hier soir, on a eu un pic d'activité. On a pris deux poissons, quoi. Deux poissons. Ouais, mais entre 17 et 19 heures. Tenu à rien. Pareil, tous les autres. Il y a un poste qu'on sait qui a fait du poisson cette nuit. Ouais. Mais sinon, sur le plan d'eau, apparemment, ça ne sort pas énormément de poissons. Jusqu'à maintenant. Donc là, ouais, hein, franchement, on va essayer d'incorporer des bouillettes, je pense, dans notre amorce là, pour que il y ait plus à manger pour les carpes. Ouais. Parce que là, on trouve beaucoup de brèmes. Ouais. Ouais, parce que ça doit être vite lavé quand même sur le fond, parce qu'il a l'air d'y avoir pas mal de brèmes. Donc voilà. Donc on espère que ça va mordre pour les derniers 48 heures. On va sortir du poisson. Ouais, mais j'y crois parce que franchement, là, dimanche soir, ce soir, il y en a, ils vont partir. Après lundi, mardi, il y aura beaucoup moins de monde déjà, je pense. Ouais. Il y en a qui vont rester, c'est obligé, mais il y aura beaucoup moins de monde. Là, le vent commence à se lever un peu, à retaper contre nous. Ouais, bah tous les jours, hein, fin de matinée, ça commence vraiment à souffler toute l'après-midi. Ouais, ça y fait pas de mal. Hein. Surtout à nous, ça nous fait pas de mal, ça pousse bien contre notre berge. Donc on est posté entre deux réserves, il y en a une de chaque côté du plan d'eau, on est entre les deux. Donc on essaye vraiment d'intercepter le poisson qui navigue entre les réserves, s'il y en a qui naviguent avec la pression de pêche qu'il y a. Donc voilà, on espère que ça va mieux se conclure sur les derniers 48 heures. Ouais. On va faire un petit tour du poste pour vous faire voir. Donc juste là-bas, on a une réserve. Donc nous on est posté là on pêche en face et on a une autre réserve dans le coin là-bas. Et bon, il y a du monde juste à gauche là, il y a du monde de 2-3 personnes à droite sur cette rive. Donc ouais. Voilà. Pas le rater parce que ce matin on a décroché, on a cassé. Donc on va essayer d'assurer le poisson. Ça a l'air de rentrer un petit peu sur l'amorçage, il y a moins de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de pression de pêche. On voit la différence par rapport aux autres jours. Ça a l'air d'être un joli poisson quand même, ça a pris du fil. Elle a de l'énergie celle-là. Ouais. Allez, paf, allez, on vous reprend. Voilà les gars. Donc là, du coup, ma petite miroir de 11,5 kg avec un bon ventre. Voilà, on fait un joli combat celle-là. Là, on voit que le vent il se lève bien. Ouais. Je pense que ça va faire bouger les poissons. Ça va peut-être nous aider, le vent. En plus, on a bien le vent du sud qui nous tape dessus. Franchement, il tape bien fort contre notre berge. Super poisson, ouais. Vieux poisson. Voilà. Joli poisson. Allez, on va remettre tout ça à l'eau. Et paf! Bon ben voilà les gars, donc on se retrouve pour vous présenter ce magnifique poisson. Donc voilà une belle commune de 6 kg.
pris au Dumble Rose, donc sur le coup central. Donc voilà, amorçage qui commence à payer. Ouais, les poissons commencent à rentrer dessus, franchement. Ouais. Oh ouais, non, ça fait plaisir, des poissons qui nous font des sacrés combats quand même. Ouais, franchement. Ouais, ça combat super bien, des super couleurs. Donc voilà, on va la remettre à l'eau. Allez. Super poisson. Allez, on rend sa liberté de poisson. Nickel. Voilà, donc là, les gars, l'amorçage pour les derniers 24 heures. Donc là, on y incorpore quand même pas mal de bouillettes. De la moule berry, du baby corn, du chêne vie et de la graine à pigeon avec un petit peu d'huile de chêne vie pour bien faire gonfler le baby corn. Voilà, gros fiche, les gars. Il y a un vent de Ouais, c'est une belle miroir. Ouais, un beau poisson, ouais. Et voilà. Bon bah voilà les gars. Donc là bas, joli poisson, 13 kilos. Encore une miroir qu'on va pas. J'attends, elle t'a fait. Ah, t'as fait des communes. Ouais. Voilà, 5 miroirs, 3 communes. Donc voilà, aujourd'hui, on mord beaucoup mieux que tous les autres jours. Il y a beaucoup moins de monde. Hein. Donc voilà, ça se ressent sur la pêche. Joli poisson. Donc voilà. Impeccable. Check-moi ça. Bon bah voilà. Donc là, on est mardi, donc dernier jour de la session. Je sais pas, il est quelle heure, 11h30 ouais, je sais pas, je vais pas regarder l'heure. 11h30. Donc là, on est en train de commencer à plier les affaires, donc là, bah, touche. Hein. Voilà. Sur l'amorçage, encore une fois. Un gros départ. Un gros départ. Bon, bah voilà les potes. Donc là, petite miroir, 10 kilos. 10 kilos tout rond. Donc sur l'amorçage encore une fois. Donc là ce matin pas grand chose franchement. Non, même cette nuit très très calme. Ouais, très très calme, pourtant on a eu de la pluie cette nuit. Ouais, beaucoup de vent. Et là ce matin bah, ça s'active mais tard quand même. Là, ouais. C'est 10h30. Donc là voilà. Ouais, 10h30 du coup. Bon, on a eu une petite tirée ce matin mais bon ouais, pas grand chose, ouais. On sait pas trop. Mais voilà. Poisson, peut-être qu'il est peut-être le dernier de la vidéo. Ouais, bah on espère en faire un autre pendant qu'on plie. Bon voilà, une belle petite carpe pour peut-être finir cette session. Poisson qui fait encore bien plaisir. Allez, on va remettre ça à l'eau. Allez, ça repart. Bon bah voilà les gars, donc la résumé de fin de session. Donc 96 heures compliquées. Ouais, vraiment compliquées. Ouais. Voilà, ça se débloque quand même sur le dernier 48 heures. Ouais, il y a eu 24 heures vraiment plein ouais, quoi, hier. Ouais. Hier franchement ça a bien donné. Là ce matin un départ. Un départ ouais ce matin. Donc là on a laissé que les cannes, là on est en train de tout ranger, passer, tout ranger même. On essaye d'attendre, voir si on peut sortir un dernier poisson. Ouais, si on peut gratter un dernier poisson. Ça n'a pas l'air d'avoir envie. Quand ça saute hein, pas loin de nous. Hein. Mais ouais, ça n'a pas bien bien envie. Pourtant, il n'y a plus aucune pression de pêche sur le plan d'eau. Il n'y a vraiment plus personne. Ouais. On pensait gratter un poisson, mais à mon avis... À mon avis, hein, on va devoir relever, relever donc, les voilà. Cannes. Voilà. Donc quand même, ça aura bien donné. Lundi, on a rajouté beaucoup de bouillettes dans ouais, le morceau. Ouais. Ça a fait quand même rentrer... Ça a bien changé la donne quand ouais, même. Ouais, ça a fait rentrer les cartes, quoi. Ouais, ouais on, a fait, on a vu moins de brème. Beaucoup moins de brème. Ouais, beaucoup moins de brème. Donc ouais, un peu compliqué. Après, franchement, on aura tout touché sur des dumbbells en plastique. Surtout le rose. Ouais. Le rose aura super bien marché. Pourquoi ? On a essayé plein de trucs. Ouais. Le blanc, le jaune, l'orange. L'orange aussi aura marché. L'orange, un peu, ouais. L'orange et le rose. Mais c'est dumbbell rose et deux maïs rose. Ouais, franchement, c'est ce qui nous aura donné. Hein.
donc on est resté là-dessus, hein, sur Dumble Rose, hein, c'est ce qui marchait le mieux. C'est pour ça, en début de session, il faut souvent essayer une canne, enfin, pour ceux qui pêchent au maïs en plastique et en Dumble, essayer une canne jaune, ouais, orange et une rose. Donc, c'est ce qu'on aime bien faire, varier les coloris et voir si ça mord plusieurs fois, sur quel appât ça mord le plus. On sait qu'on peut mettre les trois cannes au même appât. Ouais. Donc voilà, bah, on espère que la vidéo vous aura plu. Ouais, que ça peut aider certains à améliorer leur pêche, ouais. À leur apporter une ou deux techniques. Voilà, nous on essaye un peu de changer les amorçages suivant les plans d'eau où on va. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, là on essaye un autre amorçage que celui qu'on fait d'habitude sur des plans d'eau comme ça. On pourrait revenir essayer avec l'amorçage habituel pour voir. On n'a pas essayé à la Tiger parce qu'il y en a quelques-uns qui nous ont dit que la Tiger ici ça marchait pas. Ça marche, mais moins que d'autres choses. Apparemment, ouais, c'est vraiment vu et revu ici la Tiger. Donc, on a essayé de s'adapter, de ne pas utiliser de la Tiger. Donc, ça aura quand même bien mordu. Ouais, non, ça va. Quand même. Non, on n'a pas à se plaindre. Donc, on sort 11 poissons. Ouais, 11 poissons. On n'a pas regardé la moyenne. Parce qu'il y en a une, on n'a pas pu vous la filmer. Elle est ressortie de l'épuisette, elle s'est décrochée. Elle s'est décrochée dans l'épuisette, elle s'est ressortie. Donc voilà, donc 12 poissons, donc la moyenne doit tourner autour des 10 kilos. Ouais, des 10, ouais. J'ai fait 2 poissons de 13. T'as fait 2 de 13, toi. Et toi, t'as fait que du plus de 10. Ouais, que du plus. Une de 9. Ouais, une de 9. Moi, par contre, j'ai pas réussi à sortir plus de 10 cette fois-ci. Mais que de la commune et toi, que de la miroir. Franchement, c'est bizarre. Ouais. Bon, après, c'est un peu chacun sa chance avec notre façon de pêcher. Hein. On est tous les deux sur les mêmes cannes et c'est chacun son tour. Voilà. Donc, c'est chacun sa chance. Mais voilà, pour dire, moi, que de la commune et lui, que de la miroir. Comme quoi, des fois. Donc voilà, c'était une partie de pêche bien cool. Ouais, franchement, ouais. Ce qui nous aura encore fait bien réfléchir quand même. Ouais, quand même, ouais. Pour débloquer les situations des fois, ouais. Franchement, on a même essayé de jeter avec des sticks sur les poissons qui sautaient et tout. Enfin, et non, ça a rien fait. Ouais. Bah, alors, d'habitude, ce matin, on y a cru. D'habitude, ça marche. Ouais, ce matin, on y a cru parce qu'on a acheté avec un stick là où ça venait sauter deux fois. On a acheté avec un stick, on a eu une bonne tirée. Ouais, mais c'est tout. Mais c'est tout. Donc voilà les gars, donc on vous dit à la prochaine et puis n'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, pour une prochaine vidéo.